Je vous parle de la lavande. Alors, la lavande, c'est cette magnifique fleur hein, qui pousse dans les champs. Alors, pour la lavande, problème de sommeil, d'insomnie, l'agitation, c'est toujours dans mon livre Essential Life. Alors, lorsqu'on est bouleversé, qu'on est tendu, qu'on est stressé, qu'on est anxieux, on applique sur le cœur, la nuque, on respire. Pour les coups de soleil, les brûlures, hein, moi je suis Miss, je me brûle sur la grille du haut. J'en ai une bouteille là, mais j'en ai aussi une bouteille dans la cuisine. Juste à côté du fourneau. Sitôt que j'accroche la grille ou que j'ai la brillante idée de pas penser de prendre mes petites mitaines là, puis je me foute la main sur la grille, eh bien, je mets de la lavande. Et sérieusement, si je veux dire, j'ai-tu l'air d'une fille brûlée? Non. Pourtant, je me brûle au moins une fois par semaine. Oui, c'est ça. Donc, oui, les coups de soleil aussi, là, c'est moi, vous le voyez, là, j'arrête pas de parler de ma petite peau de fille fragile, là, moi, ça, faut que je crème, puis, si au début du printemps, ou n'importe quand, tu sais, des fois, je fais juste ça, hop, tu prends une marche, puis finalement, placote, papote, un peu plus que tu pensais, t'as oublié de glisser de la crème solaire dans ta sacoche, des fois, il apparaît des petites rougeurs. J'utilise ma lavande. Même chose pour les petites piqûres d'insectes, là. Les piqûres d'insectes. Ça fait comme des petites boules, là. On se frotte avec ça. Merveilleux. Ensuite de ça, les maux d'oreille. Puis ça, c'est le fun parce que. Même quand les enfants sont bébés, là, tu sais, là, au début, les dents, puis tout ça. Bon, c'est sûr, on met pas. Même si la lavande, c'est douce, c'est toujours conseillé de diluer. Vous vous référez au petit livre de doTERRA que vous avez reçu. Vous avez la charte de dissolution. De dilution. Pardonnez-moi. ensuite de ça, pour les coliques, l'érythème fessier, le muguet, on dit. En massage, toujours dilué, de masser l'abdomen, la plante des pieds. Le postpartum, la dépression, et la mamite. Désolée, je ne suis pas maman. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais on dit de l'appliquer bas de l'abdomen, les seins. Diffuser, inhaler en coupe. Les saignements de nez, on l'applique froid à l'arête du nez. Ensuite de ça, le Parkinson, les saisies et convulsions, les étourdissements. La nuque, le front, la plante des pieds. Entorse, tension musculaire, on l'applique tout simplement sur la zone. Migraine et maux de tête, inspirer, appliquer sur les tempes. La lavande, hein, on sait, c'est aussi très. Merde, j'ai un cheveu, excusez. J'ai très relaxant, calmant. Je sniffe un petit peu de lavande. Et puis, moi, j'aime beaucoup. La lavande, tu sais, dans le bain, le sel d'Epsom. Moi, je me fais un petit mélange lavande, épices. Ciao, elle est partie, comme on dit. Ah, c'est merveilleux. La lavande, dans mon livre, mon nouveau livre, là, sur. Comment il s'appelle? Je me suis. Les cadeaux des huiles essentielles, comme ça ici, on nous dit que la lavande
son affirmation, ça nous dit que c'est correct de prendre une pause, de relaxer et juste être. Ensuite de ça, toujours dans ce livre-là, c'est mon livre où, si vous avez écouté d'autres petites vidéos, je vous donne des huiles, pas de quantité. Vous faites votre propre mélange selon votre intuition. Alors, la lavande, le bois de santal et le poivre rose. C'est un sanctuaire intérieur. Alors, on dit que on n'est pas obligé de laisser le comportement des autres détruire notre paix intérieure. Hein? Ça a du bien de l'allure. Ce mélange favorise l'acceptation et l'amour de vos relations et du monde tels qu'ils sont. Lorsque quelque chose vous le ressentez, là, même sous la peau, tellement ça vous dérange, vous diffusez ce mélange, vous vous créez un sanctuaire de bonheur en vous et pour vous. Et une fois que votre bonheur intérieur va être fait, alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'avoir pour les autres autour de vous. Ensuite de ça, mon autre mélange toujours des huiles, mais pas de quantité. Lavande, cyprès, ylang-ylang. Et il s'appelle communication intuitive. Alors, la lavande apporte la facilité, le contentement face aux relations. Il permet à chacun de se sentir en sécurité en étant lui-même. Hey, c'est-tu le fun, ça? C'est-tu important, se sentir en sécurité en étant soi-même? Donc, ce mélange, il l'appelle la mélodie. Elle vous permet d'exprimer les murmures subtils que votre cœur vous donne lorsque cette mélodie est diffusée. Donc, on peut aussi la mettre sur... Excusez, hein, c'est toujours en anglais, français dans mon cerveau. Là, c'est, des fois, ça va vite. Des fois, ça va pas vite. On dit qu'on... Il conseille aussi de le mettre sur la poitrine. Et... Parce que, hein, un livre, deux livres, trois livres, allons-y. Pour la lavande, j'ai un petit masque facial pour vous. Alors, 4 gouttes de lavande. Une goutte, c'est marqué drop, hein, fait que ça a fait drop. Une goutte de citron. Dans une cuillère... à table de yogourt nature et 2 cuillères à thé de miel. On mélange tout ça dans un bol. On l'applique sur le visage. On le laisse 20 minutes et on rince avec de l'eau chaude. Alors voilà, j'espère que je vous ai permis d'en apprendre un petit peu plus sur la lavande.